Si vous étiez venu pour voir un joli petit réseau tout plein de charme transposable à la maison, eh bien vous êtes mal tombé, parce qu'aujourd'hui je vous présente un grand réseau. Les décors y sont tout aussi soignés, mais je doute que vous puissiez en installer un similaire chez vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une vie de train. Le réseau que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre que le très connu réseau intitulé La Bosse et réalisé par le Club ferroviaire de Franche-Comté, CFFC. Il est à l'échelle HO et il est modulaire. Aussi, il peut être présenté sous trois configurations, 9, 11 ou 23 mètres de long, selon la place allouée lors des expositions. Présenté pour la première fois à l'exposition au Pays des Grands Noms de Meursault en 2010, j'ai pour ma part profité de l'exposition Savoie Modélisme de 2021 pour le filmer un peu plus en longueur. Ce réseau reproduit une portion de la mythique ligne reliant Paris à la Suisse et l'Italie en traversant le Jura. La section ici représentée s'inspire plus particulièrement de la gare de Maignarbois et de ses alentours. La ligne à voie unique est ici doublée d'une voie d'évitement pour permettre le croisement des trains. Car les circulations y sont nombreuses. TER, TGV, trains de marchandises et autres longs trains internationaux occupent la ligne. La pièce maîtresse du réseau est sans conteste la sous-station située à proximité de la gare de Maignarbois, alimentant la ligne en 25 000 volts. Et il est très peu courant de voir ce type de réalisation en modélisme, surtout lorsqu'elle est intégralement réalisée artisanalement. Celle-ci aura nécessité 5 années de travail, 3 pour se documenter, réfléchir aux meilleurs moyens de la réaliser et concevoir divers plans. Les deux autres auront été consacrés à l'assemblage des plus de 1 000 pièces entièrement faites sur mesure. Dans la réalité, cette sous-station n'existe plus
car elle a été démontée en 1995. Mais le modélisme permet de s'octroyer bien des libertés. Ainsi, cette sous-station reste toujours bien présente, même si l'on peut apercevoir des compositions plus récentes, mais cela apporte un véritable plus à ce réseau. Comme vous aurez sans doute pu le constater, les arbres du décor remontent vraiment très haut, bloquant ainsi toute tentative de perspective traditionnellement obtenue par la pose d'un fond de décor photographique. Ici, je pense que l'application d'un bleu clair pour représenter le ciel pourrait suffire et augmenterait encore un peu plus le réalisme comparé au gris clair un peu terne déjà en place. Je ne pourrais vous en dire plus sur ce réseau. En effet, il a déjà fait l'objet de nombreuses parutions sur YouTube ou dans les revues spécialisées. Un hors-série Locorevue, paru en mars 2014, a notamment fait une présentation complète et détaillée de ce réseau. J'ai tout de même jugé utile de faire cette petite vidéo, car on ne se lasse pas d'en admirer la beauté des décors et des compositions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura permis de donner encore un peu plus de visibilité à ce réseau et qu'elle pourra être une source d'inspiration pour vous. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire sous cette vidéo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour vous faire part de mes autres découvertes à Savoie Modélisme.